Les gens ont tendance à dire que la politique, c'est de la corruption. Et pourtant, même nous, c'est tout simplement servir. Servir la nation, les gens, aider les gens, travailler. C'est une question de gestion. Les gens pensent que là, c'est plutôt pour son intérêt personnel. Et là, je pense qu'on n'a pas besoin de faire la politique pour nos intérêts. Parce que tout le monde travaille ici, on a tous nos salaires. Ni Ulysse, ni Réoni, personne ne paye nos salaires, ni nos moyens. On est en condition pour être politique. Donc je pense que c'est ça le plus important. Et quand on ne fait pas la politique, on est la vie. C'est la politique qui nous fait. Donc on est obligé de s'impliquer, de essayer de voir comment ça peut apporter. Donc je tiens à vous remercier. Et parmi eux, Yombo. Parce que c'est vrai que vous allez entendre des critiques, et surtout ceux qui seront amenés à prendre des postes de responsabilité. N'attendez pas à ce que tout soit que des paroles. Il va y avoir des critiques. Il y a des gens qui vont critiquer, mais je pense qu'il ne faut pas regarder ça. Il faut toujours avancer, ne pas répondre. Et vous verrez après. Ce qui compte, c'est les contenus par rapport au gouvernement. Et c'est courageux de votre part de prendre des responsabilités au sein de cette zone. Parce que moi, mon intention, comme je le disais à moi-même, c'est que Paris ne se limite pas seulement à une zone. Paris est énorme. Il y a beaucoup de communautés, c'est réel, tu vas parler de vie en France. Donc, du coup, voilà, tout le monde est section. Comment on peut éventuellement créer différentes zones dans Paris. C'est-à-dire que voilà, si éventuellement on peut diviser au sein de Paris en cinq zones, en disant que par exemple la section d'aujourd'hui, on peut attribuer le nom zone A et ainsi de suite. Ça a discuté entre nous. Et puis voir, quelle est la meilleure idée pour qu'on puisse progresser. Voilà. Donc, en tout cas, vous pouvez compter sur moi. J'ai mon numéro de téléphone avec vous. Si vous avez des besoins, et je sais que franchement, je prends toujours l'exemple, et je le redis, je le répète, toujours l'exemple sur les gens de là. Ils sont là. Moi, je tiens à les remercier parce que pour moi, c'est un bon exemple. Parce que ça fait plus de 10 ans que je me suis impliqué là-dedans, dans les rues. J'ai sillonné partout en France. Et j'ai vu le comportement des gens, des Sénégalais, des mouvements, des associations. Et franchement, ce que j'ai vu à travers, moi, ça m'a fonctionné. Parce qu'ils sont solidaires, ils s'entendent, ils travaillent. Non seulement ils influencent les Sénégalais ici, mais ils influencent aussi ceux qui sont au pays. Et j'ai vu leur réaction. Ils ont tout fait pour créer des sections au pays. Donc le travail ne se limite pas seulement en France. On peut aussi faire passer le message au niveau. Au niveau du pays. Voilà. Avant d'aller plus loin, je laisse la parole à Sandrine. Merci.